attendez à Soya, émission. Hein? Un plaisir pour nous parler ensemble. Bon, mesdames et Michel, bagayou en pile, nous avons fait considération tout à l'heure sur les questions. Et deux premiers ministres nommés pays à gagner et deux cabinets ministériels qui ont mangé l'argent pays. Qui est opinion sur ça avant d'entrer dans l'autre sujet? Bon, et c'est preuve que son pays peut diriger. Il n'y a pas un capitaine à bord. Jovenel Moïse perd du contrôle pays à totalement. Il n'y a pas contre côté le vrai aller. Il n'y a pas contre ça fait. Il n'a pas gagné aucun contrôle sur la situation. Il a gagné un premier ministre qui a joint une ratification dans deux branches parlementaires. Il a fait majorité dans la Chambre des députés à voir l'aller. Je vais parler de M. Jean-Henri Séan qui était premier ministre. Et ça pourrait faire quatre mois que M. n'est pas capable de arriver mettre un gouvernement. Ça veut dire son nec a fait jouer de tête. Son petit monde qui a fait jouer de terre, son petit monde qui a joué avec PIA. Mais malheureusement, pendant monsieur a joué avec PIA, pendant monsieur a fait des ordres, pendant PIA a échappé à contrôle Jovenel Moïse, situation peuple là a aggravé, situation a plus compliquée. Jodi a une situation insécurité dans le pays d'Haïti, son bagage extrêmement grave. Jodi a même Matissan, Bicentenaire, personne n'a pas passé. Avocat n'a pas descendre par la justice, pas qu'à travail. Greffier n'a pas qu'à travail. Juge n'a pas qu'à travail. Huissier n'a pas qu'à travail. Et leur a parlé de palais de justice Port-au-Prince. C'est pratiquement plus grosse juridiction de l'autre judiciaire pays dans le tribunal de première instance. Et là-dedans, tout un coup d'appel Port-au-Prince. Coup d'appel Port-au-Prince, tout dossier que sur Jacques Mel, c'est la provenance. Dossier qui sur tribunal civil Tigouave, c'est la provenance. Dossier qui sur Tigoua des Bouquets, c'est la provenance. Le palais de justice de Port-au-Prince bloqué, et ceci depuis des mois. Pas de personne monde qui dit rien. Il n'y a personne à bord. Là, bicentenaire, à quelques mètres du palais national, nègre avec Zam, débarqué. Il a fait des ordres, il a tiré monde, il a assassiné monde. Et vous sentez l'État effondré, l'État à croisé bras. C'est pour la première fois que nous arrivons dans une situation comme ça, quand nous avons l'État qui est incapable de garantir le minimum de sécurité aux citoyens. C'est un bagage extrêmement grave. Ce qui est plus terrible, c'est que toute étude, tout rapport, organisation de droit monde fait, rapport de CPJ fait, montre qu'il y a des relations étroites. Relation cocotte avec Figaro entre les autorités de l'État et gang cap tuer monde. Ça veut dire qui ça? Gang cap assassiner monde dans votre prince, cap tuer monde dans pays, cap kidnapper monde, et bien c'est alimenter gang yo, qui a payé gang yo zam, qui a payé gang yo l'argent. Des sénateurs la tortue utile à plusieurs reprises. Jovenel Moïse parlait sous téléphone au chef de gang, Yorelanel Joseph, qui est en prison Kounia, avec lui, il parle dans le téléphone sous téléphone Gracia Delva à plusieurs reprises. Jovenel Moïse devrait le corps, paye, chef de gang, Anel Joseph, dans le mois février 2019, là, pour le venir dans la manifestation opposition. Ça veut dire, si dans le pays, il y a chef d'État, il y a une relation avec gang. La entretenu gang, la paye gang cob, la paye gang zam, et c'est tout à fait normal que le pays a plongé dans une situation d'insécurité, une situation côté l'État pratiquement, rete la garder sans le pas capable de faire rien. Cela est inacceptable et définitivement dans ce pays, pas de personne monde qui est en sécurité, tout le monde qui a un problème, tout le monde menacé, n'importe l'autre monde. Capable de tomber là à n'importe qui moment, et surtout dans le contexte politique, quand on regarde un monde qui prend des responsabilités, des personnalités qui sont politiques, des journalistes, n'importe là, pouvoir capable d'utiliser situation insécurité généralisée hein, pour tout cibler n'importe qui au Brésil et pour tenter ces insécurités. Bref, le pays va dans le chaos le plus total. Bref, tout bagaille est capable de passer, il n'y a personne à bord, et son preuve. Son raison en plus, Jovenel Moïse a démission parce que définitivement, Jovenel Moïse a échoué. Il ne peut pas assurer la gouvernance de ce pays.
Ok, et son point en plus pour Jovenel Moïse et Biden Micheli. En tout cas, il y a un peu de monde qui est critiqué, opposition 1, qui est toujours en panne pour le prendre en vitesse de croisière. Qui opinion de Biden Micheli sur ça? Opposition 1 gagne un problème pâle, je peux comprendre ça. Mais opposition fait un pile. Opposition fait ça le capable. Même d'accord, il faut que l'opposition fait plus. Population avancée les portes. Parce que sorti 17 octobre pour arriver aujourd'hui, opposition en fait pile bataille pour mobiliser le pays. C'est plus passé 550 personnes qui prennent balle dans la mobilisation pour demander Jovenel Moïse qui est pouvoir, pour demander pour se faire caribé. Et tout le monde sait, le secteur démocratique la permet de prendre soin de l'hôpital Benamez avec dans l'autre hôpital dans le pays. Monde qui assassine la Saline, c'est 71 monde d'après le rapport NDDH. Et ils ont assassiné mon yo parce que ils ont pas voulu mon la Saline continuer à participer dans la manifestation. Tout ça m'a donné un rapport RNDDH. Mm-hmm. Et l'organe des quantités mon qui mourit avec balle pendant la période ça mon yo assassiné dans la manifestation, mon qui prend balle dans la tête, les gens qui ont été tués par les snipers. C'est pour environ une centaine de personnes. Tout le monde a mouru. Non, même pour contenir le secteur démocratique là. C'est plus parce que 30 personnes nous ont enterré. Ça veut dire qu'il y a une pile bataille qui fait. Et 17 octobre, il y a une pile monde dans la rue. 18 novembre, il y a une pile monde. Et février, il y a une pile monde. Non, mois de juin, il y a une pile monde. Bref, population mobilisée, nous faisons pile effort. Même quoi, il faut continuer de travailler. Et ça fait nous dire, nous même dans le secteur démocratique là, le moment est à l'unité. Le moment est à la concertation. Ça fait nous lançons un appel. Nous lançons un appel par les frères nous avec ceux nous qui sont en opposition, hein? À quel que soit le groupe politique, yo, yeah, pour nous dire, yo, en nous mettons tête nous ensemble, pour nous faire bataille politique, là, pour nous faire mobilisation. Hein? Il y a une initiative patriotique marien dans le Nord qui a pris des initiatives, qui a invité les gens en opposition. Il y a M. Chavan Jean-Baptiste qui a pris des initiatives dans le plateau central, qui a invité pour nous joindre une concertation. Pour nous joindre en tant que nous, nous avons une initiative ça est bon, il faut que nous encourageons. Et c'est ça que le pays a besoin. Parce que je dis, c'est clair pour tout le monde, division n'a pas mené nous aucun côté. Division n'a pas mené nous aucun côté. Et bataille pour nous renverser Jovenel Moïse, c'est ensemble pour nous faire. Bataille pour procès Petro-Caribé a fait là, c'est ensemble pour nous faire. Bataille pour procès massacre la Saline a fait là, c'est ensemble pour nous faire. Et nous parlons de notre pays de rechange. Moi-même, personnellement, depuis 2015, je même mis un visa américain. Ça veut dire que c'est là pour me rester, c'est là pour me vivre, c'est là pour me batailler, pour me construire et payer ensemble avec l'autre frère. C'est mieux parce que je n'ai pas l'autre pays pour me vivre, je n'ai pas l'autre pays pour me courir, pour me sauver, pour m'échapper. C'est là pour me batailler. Et plus gros bataille là, c'est bataille pour nous construire le pays. Et c'est ça que fait le secteur démocratique là, dit qu'on fait une conférence nationale haïtienne souveraine. Parce que dans la conférence nationale, ça, c'est là que nous allons poser le vrai problème pays. Parce que le vrai problème pays, ce n'est pas qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est député, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est ministre, qui est cap chef. C'est comment nous allons faire pour nous bailler chaque haïtien un travail. Chaque haïtien un job pour le faire, pour le gagner compte dans la poche, li, pour le payer caille pour le rester, pour le payer l'école petite, li, pour le payer l'hôpital pour petite, li, pour le payer l'hôpital pour tête. Li. Ça qui est important, c'est le problème ça qui peut poser. Je dis, même lorsqu'on travaille qu'on fait en Haïti, travail construction qui qu'on a fait, eh bien, je parle avec un pile boss maçon qui dit, yo même comme boss maçon, pas un travail. C'est Dominicain qui sortit l'autre bois, qui vient travailler ici comme boss maçon. Hein? Ingénieur en Haïti, pas un travail. Les gars chantier ici, c'est Dominicain. Dominicain qui vient prendre tout job là, vient travailler. Oui. L'on parle avec monde qui travaille dans l'hôtel, dans le restaurant, dans ONG, haïtien. Yo dit même si vous avez une compétence, vous ne pouvez pas payer comme. Vous ne pouvez pas payer l'argent. Vous payez $500 américains, $700 américains. Alors ce gars étranger qui vient travailler là, qui sont en Afrique, qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, il a payé $7 000 américains. 10 millions de dollars américains, gros l'argent, yo prend yo en charge, yo baye tout ça, yo besoin, yo baye hôtel priorité. Ça veut dire qui ça? L'État haïtien pas protéger haïtien. L'État haïtien pas faire respecter compétences en Haïti. C'est ça le vrai problème pays. Jodi ya, portefeuille crédit la banque, banque yo, c'est moins que 1% de portefeuille crédit yo prêté monde pour aller dans l'agriculture. L'on paysan besoin 300 000 gouttes prêté pour le mettre tel en valeur, pour le planter durée, pour le planter patate. Pour le planter yam, planter chou, par un banque qui a prêté le cobla, parce que le dit, investissement dans l'agriculture sont investissements à haut risque. Il n'y a pas de garantie pour rejoindre le cobio, il n'y a pas de prêter. Qui est le banque qui a prêté le cobla? Banque qui a prêté le monde, qui a acheté du riz pour venir revendre l'Haïti l'argent.
banque yo prête moun k'ap achete jeu, k'ap achete poule à l'étranger pour venir revendre en Haïti, kòp yo fè kòp yo, ça veut dire pas gen rien k'ap orienté vers la production nationale, pas rien k'ap augmenté vers le renforcement de l'économie haïtienne, par une politique de renforcement de l'économie, par une politique de création d'emplois, par une politique de protection et de renforcement de la production nationale. Voici le vrai débat, voici le vrai combat. Je dis à tout l'argent qui gargotait dans le pays, il y a la corruption, mais pas de 5 obladins qui allaient dans l'agriculture, pas de 5 obladins qui allaient dans la petite et moyenne entreprise. Avant, il y a ma parole avec un ami qui fait science comptable. Monsieur qualifié, monsieur a dit, il n'a pas parlé de Petro-Caribe. Mais attendez, ça me dit à bien, dans la même tout auditeur Radio Zenit, pendant les 10 dernières années, sorti 2008 pour arriver 2019, c'est 40 à 45 milliards de dollars qui gagotaient en Haïti. Attendez bien, pendant les 10 dernières années, de 2008 à 2019, c'est 40 à 45 milliards de dollars qui dépensaient en Haïti. Nous pas écouter le fait. Et moi, le bon souci. L'on prend l'argent, c'est IRH. L'argent Petro-Caribe. L'on prend COB que l'État haïtien collecté pendant les 10 dernières années à travers le budget national. L'on prend quantité COB qui investit dans des projets par des institutions internationales comme Banque mondiale et comme FMI, Union européenne. C'est 40 à 45 milliards de dollars américains qui dépensaient dans le pays ça pendant les 10 dernières années et pas gagné aucun investissement sérieux qui fait dans le pays pendant les 10 dernières années. Et me paraît bien qu'on t'attendait, Radio Zenit, tendait ça à soi. Parce que mon ne parle pas les paroles ça. Pendant les 10 dernières années, de 2018, de 2008 à 2019, c'est 40 à 45 milliards de dollars américains qui dépensaient dans le pays et pas mm-hmm. aucun investissement sérieux qui fait dans le pays pendant tout le temps. L'agence AIO, c'est comme taxe qui collecte pendant les 10 dernières années à travers les budgets de la République. C'est comme qui sortit dans l'institution internationale, Banque mondiale, FMI, Union européenne, qui a fait projet en Haïti. C'est comme CIRH plus comme Petro-Caribe. Ça veut dire qui ça? Nous n'avons plus gros problème pays à ces corruptions. Si vous voulez que l'État, si vous voulez pour l'État ait une capacité pour construire route, pour construire l'école, pour l'État ait une capacité pour investir dans l'agriculture, pour l'État ait une capacité pour protéger jeunes garçons avec jeunes femmes qui veulent faire business dans le pays, pour le bail au corps, pour faire business, il faut qu'on combatte la corruption. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait procès Petro-Caribe, son procès qui doit être fait. Et d'accord. Une fois encore, moi-même, dans quatre dossiers, ça, moi, féliciter jeunes garçons, jeunes femmes, journalistes, tout le monde qui prend dossier Petro-Caribe à demain, qui a bataille pour procès à faire. Parce que le procès, ça, il faut le faire. Et tant que le procès, ça n'a pas fait, question de corruption l'a toujours été. Et comme si nous avons un bagage qui doit continuer, un bagage qui est normal, il faut faire ce procès pour finir avec la corruption, au moins de manière simple. D'accord. Madame Michel, on va promis pour répondre à quelque chose. Et Joseph Lambert menacé pour lui rejoindre notre position. Et position de Madame Michel sur ça. Écoutez, et moi, j'ai interviewé le sénateur Joseph Lambert dans la Gazette Haïti. Ouais. Moi, j'ai interviewé que le bail. Côté, il prend des positions très claires. Mais j'aime comprendre. Pays n'est pas pour un groupe bon. Pays n'est pas pour nous qui dans l'opposition. Opposition, ce n'est pas pour nous liés. Nous ne sommes pas capables de dire qui est qui peut venir dans l'opposition, qui ne peut pas venir. Le fait que je dis, sénateur Lambert, comprenne que Jovenel Moïse, définitivement, c'est un bourg Saint-Domingue. Par exemple, on est capable de faire avec lui. Parce que Koul Midi l'a brandi. Eh bien, c'est un bon bagage. Le fait que je dis à sénateur Lambert, lui reconnaître que Jovenel Moïse a mené un pays à un chaos, l'a mené un pays à une catastrophe politique, l'a mené un pays à une catastrophe économique, c'est déjà un bon bagage. Moi, je crois que nous-mêmes, dans l'opposition, il faut le clair dans la tête, non, l'opposition n'est pas pour nous. Bataille n'a mené en son bataille pour changer les conditions de la vie du peuple. Et dans la bataille, ça, il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour le monde. Qui n'a pas acheté qui comprennent que je dis à Jovenel Moïse, c'est pays à la crasé, il y a place pour eux dans la bataille ça. Il y a un monde qui était allié PHTK tout, qui je dis à comprendre que, eh bien, PHTK
son désordre, il n'y a pas mené pays à aucun côté. Il n'y a aucune place dans la bataille là. Après sénateur Sorel Jacin depuis 4 semaines, il prend position, il passe à l'opposition, mais nous lui avons dit bravo, sénateur Lambert fait là. Eh bien, tout le monde qui a fait lui, qui a venu joindre la population, hein, qui comprend aujourd'hui, hein, eh bien, bataille là, ou pas capable de faire avec Jovenel. Parce que Joseph Lambert est un bagaille. Pas grand est capable de faire avec. Et Jovenel Moïse, c'est Joseph Lambert qui dit. Ça veut dire de reconnaître que aujourd'hui, on ne peut rien faire de bon, on ne peut rien faire de sérieux avec Jovenel Moïse, avec ce pouvoir exécutif. Et tout le monde qui a venu, moi-même, moi, dit yo, bravo, il y a place pour tout le monde, nous pas gagner personne de monde pour nous mettre dehors. Son bataille politique n'a pas fait, c'est pour une bataille personnelle n'a pas fait. Si c'était bataille personnelle, moi, je t'ai dit, mais qui est monde qui pour là, mais qui est monde qui pas de là. Comme c'est bataille pays, tout le monde qui décide rentrer dans la bataille là, pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir, pour procès Petro-Caribe fait, pour conférence nationale la fête, c'est pour nous accueillir tout le monde, c'est parce que pays a, c'est tout petit pays a qui pour bataille, pour changer condition de la vie, peuple haïtien, pour changer pays a. Bref, depuis ce monde qui a venu, moi-même, pense que c'est bon bagaille, et je souhaite demain, ou bien après-demain, il y a l'autre monde dans le Sénat qui comprenne que Jovenel Moïse n'est pas capable de faire. Moi, je souhaite très bientôt, il y a l'autre monde qui n'a pas l'air national. Il n'aime pas avec on est qui conseille Jovenel Moïse. Il dit lui-même tout l'envie de passer dans l'opposition parce qu'il aurait définitivement Jovenel Moïse par un la fait. Bref, il y a de la place pour tout le monde dans l'opposition. Il y a de la place pour tout le monde dans ce combat que nous menons pour changer les conditions de vie du peuple haïtien. Si c'était bataille personnelle, moi, je dis, mais qui est mon qui pour la donne, mais qui est mon qui pas la donne. Comme c'est bataille qu'a fait pour changer le pays, comme c'est question pays qu'a brûlé, si ça fait pays, tout le monde qui voulait accompagner le peuple là dans la bataille pour retirer Jovenel Moïse au pouvoir, pour procès Petro-Caribe fait, pour conférence nationale fait, tout le monde sait, c'est pour nous dire bravo, nous ne pouvons pas droit mettre personne monde dehors, parce que nous-mêmes dans le secteur démocratique là, nous toujours dire bataille là pas pour nous, bataille là c'est bataille peuple là, et si ça fait une autre fois encore, nous mettons tout frais, nous, tout chien nous, qui est en opposition, hein, pour nous mettre des zigzags de côté, mettre des intérêts personnels de côté, pour nous faire seul, pour nous batailler, pour nous renverser Jovenel Moïse. Ça veut dire que c'est sa bataille là, parce que si on ne renverse Jovenel Moïse, pas de procès Petro-Caribe. Si on ne renverse Jovenel Moïse, pas de procès Massacre Saline. Si on ne renverse Jovenel Moïse, pas de conférence nationale. Si on ne renverse Jovenel Moïse, a toujours une insécurité, a toujours un problème, pas de stabilité dans le pays. Bref, il faut renverser Jovenel Moïse, et il faut que nous soyons ensemble dans ce combat, l'autre fois encore, dans la bataille là, il y a une place pour tout le monde. Zanmi, frère, sommes qui sont en opposition, on fait bataille là ensemble, on nous met des mains en patte là ensemble. Bataille là, c'est pour nous lier, pays là, c'est pour nous. Yon n'a pas le droit de mettre l'autre dehors, en nous concerter, en nous faire unité pour nous faire bataille peuple avancer, parce que c'est ça pays a besoin. Yon n'a pas le droit de mettre l'autre dehors, on fait bataille là ensemble. C'est dans unité, dans concertation pour nous avancer. D'accord, merci un peu, madame Michel. Merci, Kamela.